Bonjour les amis de Pinipon. Aujourd'hui est un jour très spécial parce que Rota et tous ses amis ont déménagé dans un nouveau quartier. Le déménagement, on ne vous l'a pas montré parce que c'est toujours hyper ennuyant. Du coup, on va directement voir comment va Rota dans sa nouvelle maison et avec ses nouveaux amis. Bonjour les petits arts. Bonjour les magasins et les restaurants. Tais-toi. Bonjour les montagnes enneigées. Bonjour centre commercial. Mais il lui arrive quoi, ces garçons? Pourquoi ils crient? Je ne sais pas. Bonjour école, bonjour parc aquatique. Ça fait 3 jours qu'on se réveille avec ce garçon qui hurle. Il est fou. Bonjour les voisins. Tais-toi, s'il te plaît. Quels gens sympathiques, ils me répondent toujours. Je vais aller me balader dans le quartier. Ah, j'allais oublier. Bonjour du beau quartier. S'il te plaît. Il arrête pas. Il est parti là. Retourne au lit. Oh, j'ai hâte de me faire de nouveaux amis dans ce quartier. Je suis sûre qu'il est rempli de gens sympas. Salut Rota. Oh, bonjour. Tu viens d'emménager dans le quartier, non? Oui, je suis arrivée il y a 3 jours. Ce qui se passe, c'est que ça fait 3 jours que j'emménage ma maison et que j'ai pas beaucoup exploré. Désormais, génial, tu viens à côté de ma pâtisserie. Je suis ultra content. Hé, regarde, je vais te faire un cadeau de bienvenue. Prends un cupcake. Oh, merci beaucoup. Je le savais, les gens du quartier sont sympathiques. Merci beaucoup, Panema. Et bonne journée, Panema. Au revoir, Rota. Un instant. C'est la même voix que j'entends depuis 3 jours le matin. Je vais chercher un endroit sympa pour manger le cupcake. Ce banc est parfait. Attention, attention, gamin. Bouge pas, arrête-toi. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Mange pas ces cupcakes, mon pote. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle trouille! Toi, t'es nouveau dans le quartier, non? Oui, je m'appelle Rota, et toi? Ah, je m'appelle Yapine. Écoute-moi bien, tu peux pas manger ce cupcake. La chef de la pâtisserie fait toujours la même chose. Elle donne un cupcake périmé à chaque nouveau voisin. Comment? Mais pourquoi? J'y suis allée autrefois, il n'y avait aucun problème. Mais maintenant, tu es un voisin. Ça l'a fait rire. Les gens qui mangent son cupcake de bienvenue terminent sur les toilettes toute la journée. Qu'est-ce que tu dis? On aurait dit qu'elle était gentille. C'est une farceuse. C'est la Pinipon la plus filouse de tout le quartier. Donne-moi le cupcake et je m'en séparerai. Oh, merci beaucoup, Liapine. De rien, quoi que ce soit pour un nouveau voisin. Hé, hey, t'es vraiment sympa, on pourrait être amis. Cet après-midi, je vais faire les boutiques. Tu viens? Bien, sur mon nouvel ami, Rota. Oh, merci beaucoup, tu es trop gentil, Liapine. Salut, on se voit plus tard. On se retrouve là-bas. J'adore les cupcakes gratuits. Miam. Miam. Ma copine, mon amie, Sada Pineda. T'as filmé beaucoup de stories aujourd'hui? Bah non mal, environ 87 ou 200, je sais pas. En fait, meuf, c'est quoi toutes ces choses? Bah regarde, mon nouvel super ami Rota, un nouveau voisin trop adorable. Mais pour une nouvelle victime. Grave, regarde-le, il arrive. Liapine, regarde, j'ai de nouvelles choses. La responsable de la boutique m'a promis qu'elle n'était pas empoisonnée comme toutes celles que j'avais achetées avant. Et tu m'avais averti avec précaution car tu es ma nouvelle best friend forever. Salut, ça va? Une nouvelle amie, comment tu vas? Comment tu t'appelles? Je suis Rota, je suis nouveau. Liapine m'a beaucoup aidé aujourd'hui, elle est super gentille. Toi aussi, t'as l'air sympa. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Rota, je crois que je te l'ai déjà dit. Bon, on s'en fiche. Rota, je m'appelle Rota. Waouh, quelle énergie, hein? Il est épuisant, mais regarde tout ce qu'il m'a ramené. Salut, nouvelle amie Rota, je suis Pineda, enchantée. Tu es l'amie de Yapi? Bah du coup, tu es mon amie grâce à elle. Elle m'aide beaucoup dans le quartier. Par exemple, je voulais acheter quelques cadeaux à mon ami Charlie et Yapi m'a aidé à savoir si cela avait de la poudre venimeuse ou non. C'est dingue que la patronne du magasin est devenue folle et venue tout le quartier, non? Hein? Ah ouais, c'est clair, elle est complètement folle. Fais voir ses lunettes. Elles ont l'air d'être un
empoisonné. Oh, si, oh. Vous deux, je savais que vous étiez derrière tout ça. Rendez-lui tout ça et arrêtez d'embêter ce garçon. Au revoir, Rota, merci. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé sur les plus bourriques du monde, Punipa, ne t'inquiète pas. Ça nous arrivait à tous. Eh bien, allez, allons à la bakery, apprendre quelque chose et je te raconte tout. Ne t'inquiète pas, dans ce quartier, il y a plein de gens sympathiques. Mais dans la bakery, on ne nous donnera pas des choses périmées pour nous faire une blague, hein? Allons, enfin, que dis-tu? Je comprends, elle t'a raconté ça, Liapine. Pas vrai? Ouais. Rien de rien dans ce village pourra t'envenimer. Le plus gênant qu'il y ait, c'est un fou qui crie depuis 3 jours, tous les matins. Ah, merci Martina. Allons, je t'invite à un cupcake et tu me racontes tout sur Liapine et son ami. Allez, Rota, et bienvenue dans le quartier. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais on dirait que Rota et ses amis vont vivre un tas d'aventures dans ce quartier. Vous avez aimé le quartier? Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like dans la vidéo et la semaine prochaine, on vous montrera plein d'autres choses. Au revoir!